Putain, il a été réparé à la vite fait, hein. Tous les trous, je les ai colmatés au ciment, j'ai l'impression. Voilà. C'est, je veux aussi parler de trucs là. De... Quand... Allez, le jeu que je t'ai parlé il y a genre 20 minutes. Il y en a plein. Le jeu de guerre là. Enfin, le tactical RPG de la vie. Advance Wars, voilà. Oui. Alors, donc, on a trouvé assez de lune. Pour réparer l'Odyssée, c'était pas gagné. Bon, si on prêtait de voyage, faire un peu de lecture, truc de voyage, rouler. Il y a envie d'accélérer dans vos déplacements. Faudrait que je me remette sur FF15. Appuyez sur le truc, c'est bon à ça, pardon. Et deux, trois trucs sur le pays des gratte-ciels. Alors, c'est le pack multijoueur. C'est un immense complexe sur mec, c'est développé grâce à l'énergie des lunes, j'ai hâte d'y être. Ouais, c'est vrai. Mais c'est une extension qu'il faut payer ou. Si t'as pris le second pass, non, c'est gratuit. Second pass. Le season pass. M'en fous. C'est le second. C'est un peu un second passage à la caisse. C'est ça. Donc quelque pour part. Moi, pour moi, c'est ça. C'est un second passage. Waouh, il y a une waifu dans la ville de gratte-ciel. Oh, je veux me la. Oh, c'est bon, je veux sa lune. On est enfin arrivé, mais elle a l'air craquée en plus. Elle a des formes humaines. Mario, il va vite oublier Peach. Mais la situation n'a pas l'air au beau fixe. Regarde, putain, mais la ville elle est craquée. C'est non, vrai, encore, c'est je crois que sur FF15, les season pass, t'es pas obligé de les avoir. C'est pour le bonus. Multi, t'es sûr parce que moi j'ai pas pris le season pass. Hein. J'ai pris le season pass de Zelda parce que Zelda c'est la vie. J'ai pris le season pass de. Je sais plus quel autre jeu. Mais. Truc, non. J'ai l'impression d'être dans Metal Gear 3 tellement le sol mouillé d'un vu que je suis sur le sol mouillé d'un aérodrome. Enfin d'un héliport, putain, un aérodrome. D'un truc quoi. Non, un héliport. Putain, il y a plein de cubes. On dirait les cubes dans One Piece, ça je l'ai déjà dit, je crois, mais je sais pas à quoi ils servent. Je sais pas si tu sais. Mais peut-être c'est pour du New Game Plus. Comment il s'appelle dans One Piece, c'est les gros cubes qui a l'histoire du monde dessus. Je regarde pas One Piece. Oh, Shakame, respecte-toi. T'as regardé. Respecte. T'as toujours pas regardé Berserk en plus. Non. Oh là là. Par contre, j'ai trop d'animes à regarder en vrai. Ouais. Enfin, faut lire Berserk par contre. Attends, je vais parler à la waifu. J'espère qu'elle est pas moche. Oh non, elle est tellement craquée. C'est pareil, j'ai trop de trucs à lire. Bonjour madame. J'ai une dizaine de lack novels à lire. Je suis en slip et je lui parle, mec. Meilleure la chose que j'ai jamais fait de ma vie. Madame la mère. Bonjour, je crois que le moment n'est pas très bien choisi pour faire du tourisme. Ah, mais moi je sais vous que je veux visiter. Depuis que ce monde serait dans le coin, la ville est sans dessus dessous. Ah, mais je vais vous mettre sans dessus dessous aussi. Visiblement, il veut que tout le monde sache qu'il va se marier. C'est peut-être sa manière de lui de nous inviter à la fête. Ouais, moi je vais te faire la fête, mec. C'est le gros gnie. Gilbert, appelle-moi une bière. Le gros dégueulasse. Et en plus, vu quoi. T'as remarqué comment tu bougeais quand t'étais immobile? Sérieux? Attends, je lui reparle. J'ai pas remarqué. Ah merde, je saute crème. Dessus. Oh, mais je peux la sauter. Bam, 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 bam. En plus, il saute comme un singe, Mario. Mais t'as écouté au moins qu'elle parle comme des Sims? Attends, faut que je change mes vêtements. Je peux même pas. Je peux pas me changer dans le chapeau. Enfin, je vais faire le beau gosse. Je vais me changer. Non, parce qu'en fait, de la je vois de quoi tu parles, mais je sais plus le nom de ces trucs. Les blocs pour la fameuse arme antique, faut demander à Nico Robin. Ah, Nico Robin, c'est tellement la waifu de l'univers. Ouais. Tu dis ouais, tu regardes pas One Piece. Mais si, mais je connais quand même. Mais c'est pas suffisant. De toute façon, la vraie waifu, les gars, je vous spoil. Non, je peux pas vous dire ça. C'est donner trop mes secrets là. Faut que je garde des atouts dans ma manche, je sais pas quoi. Comment on dit? Des cartes dans la manche. Ouais, des atouts sous la manche ou des trucs comme ça, ouais. Voilà.
Je garde en réserve des infos. Je peux pas vous donner les noms des waifus comme ça gratos. Je vais mettre. Mais j'ai pas de tenue de beau gosse. Quoi qu'un poncho. Un poncho et un petit passe. Et un petit sombrero. Franchement, je vois pas qu'il craquerait pas. Ça passe. Ça passe. Des atouts sous la. Des atouts sous le calbut qui dit. Oui aussi. Garder des trucs dans le slip. Du coup, écoute, elle parle comme des Sims. Attends, faut que je mette le son du coup. Oh, elle parle pas. Ouais, elle fait juste des. Oh. Et si je parle à quelqu'un d'autre, il va faire des bruits. Ah, mais je peux pas leur parler. Dommage. Ah, j'ai même pas encore remarqué que ça passait crème de la façon que tu bougeais. Mais il bougeait vraiment, parce que là il bouge que la tête. Non, ça faisait genre le mec frigorifié qui attendait devant. Ah, mais c'est vrai. Avec parce les que... paroles que tu donnais, ça faisait oh oui, oh oui. J'ai compris. Mais quand je saute dessus, je crois qu'elle parle. Non, elle dit juste des oups et des wow. Pourquoi elle dirait wow lol? Oh, genre les pièces du pays ici, c'est des dollars. La base. Ça ne va pas le faire d'être le meilleur au moment. Je comprends rien de ce qu'il dit. Il a sans doute parlé français, mais c'est trop compliqué pour mon cerveau. Oula, ça pullule de bébête. Oh, c'est dégueulasse, c'est des mouches. Genre, c'est la pollution. Tu balades en ville. C'est ce qu'il a dit. Ah, d'accord. Mais t'as vu, genre, c'est la pollution qui attaque, c'est les méchants. Ouais. Parce qu'on est en ville. Combattez la pollution. C'est dingue. Oh! Genre vraiment? Oh! C'est vraiment GTA? Oh, un scooter. Moi je rigolais hein. Moi j'ai dit parce qu'il y avait... Je suis venu ici pour rigoler moi. C'est parce qu'il y avait une ville que j'ai dit... Ok. Putain mais en fait c'est un gars en scoot Mario. Il y a un scooter dans Mario. Non mais tu te rends pas compte quand c'est abusé. Il y a un scooter dans Mario. Et il se... Oh il fait des figures. Il y a de l'essence. Je crois pas. Toutes les feintes racistes que je pourrais faire parce que je suis arabe serait craqué. Moi j'ai l'habitude des mobilettes. Nye, 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 nye. Ah merde. Je dis ça et je suis en dehors de l'arène. Ça apprendra à ouvrir ma gueule. Non mais moi je voulais tuer tous les ennemis et puis continuer, du coup ils ont tous repop, ça sert à rien de faire ce que je fais. En vrai, ce qu'il y a mieux qu'un scooter, c'est un tank. Et puis après, une fois que tout est détruit. Qui peut me stopper, franchement? Qui peut me stopper? C'est qui chantait cette chanson de merde? Ah ouais, c'est vrai que toi aussi t'es nul en prénom, pour moi. Genre, j'ai beau savoir qui est qui, mais jamais je peux te dire c'est qui son nom. À part les gros classiques, genre Schwarzenegger, ouais. Comme ça, tu vois. Ça, je vais me rappeler. C'est la base après. Ouais, mais il y a des bases. Il y a des bases, pour moi, c'est compliqué. En tout cas, pour donner les noms des gens. Mais Shadrin, il saura. C'est qui chante cette chanson de merde? Oh, je peux détruire les voitures des gens.
Bam. C'est nous. En fait, c'est un scro. Je sais pas si t'as fait ça, oh, un scro. Il est trop bien. Oh, je le préfère largement à GTA, honnêtement. Franchement, le 3, j'ai trop kiffé. C'est le 3 et. Non, le 4, c'est celui avec les aliens. Le 3, c'est plus GTA, 4. San Andreas, ouais. EX. Moi, le 4, il était bien. Mais le 4, c'est franchement le 3 en plus beau, quoi. Et un peu plus débile. Mais ouais. par rapport au 2, le 3 est vraiment, vraiment... tu sens que le jeu, c'est un... qu'ils se sont surpassés, tu vois. Mais genre, quand t'as fait le 3 et puis tu passes sur le 4, t'as juste l'impression que tu re-kiffes le même délire que le 3, tu vois. Donc c'est ouais. dans un autre contexte, donc c'est agréable. Mais genre, c'est pas... la révolution, c'est ça que je veux dire. C'est comme par exemple, tu passes de Twilight Princess à Skyward Sword, c'est cool, tu vois, mais ça va. Alors que tu passes à The Wild, à Breath of the Wild, tu pètes un câble. Là, tu passes d'un Galaxy à Odyssey. Non, mais le Synthro 4, ouais, je l'avais kiffé. Alors est-ce que je suis pas capable de passer cette poutre en scooter? Oh, je suis trop fort. C'est des années sur les jeux flash à moto là en 2D. Des années. Je sais pas si tu te rappelles de cette époque où il y avait rien d'autre à faire que ça. Tu sais, les vieux jeux de moto pourris en 2D, t'es là vroom 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 vroom. C'est ça. Tu t'éclates. Avec ces vieux jeux de merde là. J'ai vraiment parlé de ça quoi, putain. On est peu de choses. Hein. Les jeux où c'est limite t'attrapes plus de virus que tu t'es amusé, mais bon. C'est ça. Limite t'as honte d'avoir joué à ça. C'est ça. J'ai vraiment passé. Tu sais que j'ai joué à un vieux MMO à l'époque. Je sais pas si tu connais RuneScape. C'est un vieux jeu de merde. Mais genre, oh mon dieu quoi, comment ça pue le caca. C'est genre grave. Ah ouais? Ouais, c'est. Mais le jeu est bien, mais genre. T'as un peu honte quand même, tu vois. Alors, comment je brise ça? Comment je fais pour aller là-haut, moi? Ah, faut que je contrôle le tank en fait. Ah, j'ai plus qu'un PV, génial. C'est pour les enfants ce jeu là. Qui a dit que Mario était pour les enfants? Je suis mort. Ah, c'est bon. Oh putain, mec. J'ai réussi à sauter à côté du tank. Et je me suis dit, il va avancer. Et, les chenilles, c'est rapide à enclencher. Et puis boum, je serais mort, mais non. Mais en fait, fallait que je casse ça et puis que j'y aille moi-même, je suis con. Bon, en vrai, tirer dessus c'était plus rapide. Oh! Il y avait un truc caché là. Ah non. Ah si. Ah, c'est que je pouvais aller sous l'eau. Il y a des crocodiles, ces mecs. Non, un hippopotame, c'est tout. Ah. Mais ce qui est le plus fort entre le rhinocéros et l'éléphant, c'est encore l'hippopotame. C'est ça. Non, par contre, non, je suis bloqué. Je sais pas si tu connais. Reflet d'acide. C'est. Alors, je les ai pas tous écoutés, mais je connais. Moi, bon, SM, fait rigoler de ça. Parce que j'ai ma copine, elle m'en parle énormément de Reflet d'acide. Ah, elle vient. Reflet d'acide et donjon de. Donjon d'Albuck. Ouais. Oui, c'est. Donjon d'Albuck, c'est les kings. Mais Reflet d'acide, c'est craqué parce que c'est en vert. C'est. Il y a beaucoup d'Alexandrin dedans. Vraiment bien écrit. D'accord. Bah oui, c'est tout en poésie. C'est ça qui est craqué.
Oh mais les tanks. C'est vraiment la guerre. Hein. J'ai jamais été en plus un gars des véhicules dans les jeux de guerre. Oh, y'a un début à tout. J'aimerais tellement rejouer à Battlefield 3. Ouais. J'étais tellement un dieu. C'est la fouine à fou qui peut me stopper. Ah, et je viens de lire sa réponse. Ah, c'est vrai, ce vieux B-type. Oh, la guerre! Oh là là, j'ai même pas touché. Mais ça touche pas. Pouette, pouette, pouette. Mais ils ont fait une jolie ville en vrai. Hein. Franchement, elle a vraiment envie à des jeux qui font des villes tout le temps. C'est vrai que niveau graphisme, il est vraiment pas mal. Il est bien. Ouais, pas dégueulé. Enfin. Les effets de lumière et d'eau sur le sol, ils sont sympas. Même si sa résolution qui est pas craquée. Oh là, beau gosse. Qu'est-ce pas ça, moi bien. Nice. Tu viens de rentrer ou quoi? Ou t'étais au busy? Non, je faisais. Là, je chillais à ce moment. Ah, la chillance. Vas-y, le temps qui casse les couilles. J'avance. Il y a un escalier, tu peux monter, sans blague. Les mecs ont des cases de construction, les Roomba. Tu l'as déjà oublié. C'était comment encore? Ah, je vais mourir. Les petits caca. Les Koomba. Les cons. Les Koom. Les Koomba. Ah. Wakarimashita. Bah, ils vont me tuer. Et bah, tu vas mourir. Oui, ils sont trop forts. Ah, un cœur. Est-ce que je peux trouver du poids? Là, genre, il y a 100 pièces. Oh là là, jamais je vais y arriver. Pourquoi il pleut d'ailleurs? C'est dégueulasse. Hein. Ah, mais après, on va tuer les méchants et puis on va faire joli, c'est ça? Parce que pour refléter le fait qu'on est les gentils. C'est ça. Oui, oui, il peut pas faire beau dans le monde des méchants. Ah, parce qu'ils sont méchants. Genre, t'imagines le boss final, la dernière zone, un jeu super compliqué, c'est sur une plage ensoleillée, tranquille. Et le mec qui te dit, mais pourquoi on se fait la guerre, sérieux? C'est ça, prends un cocktail, frère. Et il essaie de t'acheter, un peu comme le diable dans Cuphead. À la fin, il te dit, tu as réussi à vaincre tous les mecs qui me donnent de l'argent. Travaille pour moi, tu es vraiment excellent. Et puis tu peux dire oui, et puis c'est bon, t'as gagné. Le jeu est fini. Ah. Bah t'as les crédits donc c'est bon. Qu'est-ce que t'as fait? Bah moi j'ai dit ouais. Enfin, le salaire il était pas mal, en plus j'allais devenir un démon. C'était parfait. Moi j'ai dit oui. J'ai dit oui. Bon après j'ai rechargé, je lui ai pété la gueule mais... Bon, on me propose un boulot temps plein à te péter la gueule à des boss. Moi bon, ça m'allait bien. Mais après j'y ai réfléchi, je me suis dit genre...
tryhard des boss comme ça toute une vie. Et ils étaient chauds quand même les boss dans Cuphead. Alors j'ai dit non. Putain, mais j'ai que 3 lunes. Eh, ce monde il va être infini. Ou alors j'ai raté toutes les lunes du monde. Et je m'en rends même pas compte. Ce serait triste. Ça serait marrant. Ouais, je devrais refaire tout quand même. Ce serait triste. On va dire triste, d'accord. Ah, c'est vrai qu'on peut planer si tu fais la toupie avec Mario et que tu sautes. Après c'est comme un hélicoptère Mario. Tu savais que si dans la vraie vie tu tournais très très vite sur toi-même et que tu sautais, bah tu planes. T'essayes hein. Suffit d'essayer. Ouais, ouais, essaye hein. Et tu sais que si tu te mets du jus de citron vert dans les yeux, t'as les yeux verts. Ah. Ouais. Non mais regarde. Si en vrai tu prends une boîte dans tes mains, d'accord. Tu prends une boîte dans tes mains, d'accord. Tu marches dessus et tu la soulèves. Quelque part tu t'envoles hein. Tu prends une boîte dans tes mains. Ouais, tu marches dessus et puis tu la soulèves. C'est bon. Ouais. Essaye, tu verras. Après, tu remontes dessus, etc. etc. Ah, tu me diras sur quoi tient ta boîte. Et, ouais. Et tu la tiens. Ouais, mais si tu tiens la boîte. Je vais te rendre fou avec ça. Franchement, il y en a plein qui essaient de me raisonner là-dessus, hein. Mais ça marchera pas. Hein. Je te mets juste en garde. Parce que tu peux tellement répondre comme un troll là-dessus. C'est vrai. Tu sais, en fait, parce que dans les jeux vidéo, il y a plein de glitches comme ça, tu vois. Parce que la physique, quelque part, elle est correcte. C'est juste qu'il y a pas. C'est la gravité, la réponse en vrai, tu vois. Mais en vrai, support, ben, tu mets une force plus forte que la gravité, tu t'envoles, c'est tout. Faut juste porter la boîte. Et dans les jeux. Quand tu contrôles un objet et que tu sautes dessus, bah tu peux glitcher en te soulevant toi-même. Tu t'envoles. Ouais. T'as qu'à le faire, tu vois. Juste faut porter fort, quoi. C'est tout. Si tu squattes lourd, franchement, c'est faisable. Si t'as un bon deadlift, moi perso, j'ai un deadlift à 170 kg. Moi, je le fais. Hein. Je m'envole. Suffit juste que j'essaye. Mais j'ai pas le temps. Allez, excuse. T'as pas le temps ou tu connais déjà le résultat? Non, franchement, si j'avais le temps. Hein. Déjà, j'ai pas de boîte chez moi, du coup. Mais y'a plein de trucs comme ça que tu peux faire. Genre. Allez, y'en avait d'autres. Ah, je suis mort. Génial. J'avais pas eu que j'avais plus de paix. Il est dur le jeu. Eh non mais ça c'est parce que t'as pas de boîte. Ah. J'avoue, s'il y avait une boîte je me serais envolé en haut de la tour direct. Bah ouais. Mais gars, je saute sur place. Et quand je saute par terre et que je tape avec mon cul et que je saute derrière, je saute plus haut. Et si tu fais pareil, je suis sûr que ça marche. Ça marche avec Mario. Ah et puis je me pète le coccyx en même temps. Bah est-ce qu'il s'est pété le coccyx Mario? C'est un personnage de fiction. Mario, il est plombier italien. L'Italie et la plomberie, ça existe, ça. Ouais, Mec, parlez bien de Mario. En plus, tout ce qu'il fait, c'est sauter. Franchement, c'est pas si tant de la fiction que ça. Hein.
suffit juste de sauter fort. Déjà, essaye de faire un double saut. Avec comme ça se fait. Et j'ai déjà fait un double faux, un double saut, mec. Avec comme appui de l'air. Mec, j'ai déjà fait un double saut. Enfin, c'est une pulsion qu'il faut donner. Ouais. Non, je te jure, une fois j'ai fait un double saut, mais c'est parce que on m'a fait peur. J'ai fait un double saut, mais quand je te jure, c'était un double saut, c'était pas possible autrement. Parce qu'en fait, j'ai sursauté. Déjà, sursauter quelque part, c'est un double saut. Non, en fait, j'ai sursauté, tu vois. Et puis, j'ai eu encore un soubresaut, tu vois. Et vu que je me suis gainé et que je me suis redressé, ben, je me suis allé encore plus haut. Donc, quelque part, c'était un double saut. Parce que le premier saut m'aurait pas amené aussi haut. Ah, mais en fait, les ennemis étaient au milieu de pièces. Et vu qu'ils sont jaunes, j'ai cru que c'était des pièces. C'est pour ça que j'aurais juste rentré dedans comme un tarde. D'accord. Mais c'est bien, je suis mauvais, mais de là marcher dans l'ennemi, c'est chaud. Sinon, au bout d'un moment, il y a un truc qui s'appelle dormir. Ah. Je sais pas si tu connais. Si, mais... Mario, je finis le niveau. Ouais, t'es comme moi, t'es... Je sauvegarde. Non, dormir, c'est très bien, c'est la meilleure chose qui ait jamais existé. Ah mais j'avais pas vu ça. Ouais, il doit pas en... Et quelle heure? Non, il est pas tard, il est tôt. Il est presque 2h. Ça va. Ouais, les gens qui viennent, ça, ouais, c'est tard, ouais, non, c'est tôt. Laissez-moi. Dis celui qui se lève à 2 milliards d'années-lumière. Ouais, moi je me lève à 15h, faut même plus me parler moi. Wow, mais t'as pas une vie étudiantine toi? 15h, quand j'ai pas, bah je me lève tard. Plus demain je dois aller en ville acheter 2-3 conneries. Je vais y aller tôt le matin parce que j'ai la flemme d'aller dans l'après-midi à tout le monde. Et puis je reviens, je joue à Nier H24, mais quand je suis à H24, demain je dors même pas. Saute. Pas si le fixe que je vais utiliser marche. Non, ça doit marcher. C'est quoi ces... Mec, il y a des câbles, ils font des angles droits. T'as déjà vu ça? Non, pas vraiment. Ou alors le câble il est... Ou alors c'est une tige métallique, je comprends pas. Ouais, peut-être. Ouais. Oh. J'ai pas envie de réfléchir. Il semble pas le seul. Non mais genre je dois rentrer dans une pyramide et tout pour chercher un trésor et l'entrée elle est bloquée, du coup faut réfléchir ça. Non mais dans ce jeu t'as un aigle et il te dit tout. C'est un bon réfléchir. Mais t'as pas genre un clignotement, tu cliques sur un bouton et puis tout devient blanc ou quoi, quoi et tu sais tout. Non, ça c'est fini. Ah bon? Maintenant tu peux contrôler un aigle. Non mais je veux dire dans... J'avais vu que dans... C'est Origin, non? Le nom. Ouais. Ouais. Bah... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. T'appuies et puis tu sais tout. Ouais. Enfin, faut aller chercher quand même un minimum les informations, mais ouais, c'est quasiment ça. Ok. C'est vrai qu'il absorbe l'énergie pour la transférer ailleurs. Wouah. C'est comme les mimiques dans FF12. Je vais les taper. C'est ça. Ouais, j'en ai l'air fort, ça. Les putains de araignées de merde, là. T'imagines si dans Dark Souls, en sautant sur un ennemi, tu faisais des dégâts. Oh, bah il m'a pété la gueule, le mob. Dans une cutscene, mais il m'a pété la gueule. T'as les dégâts de chute, hein, comment il les absorbe. Ah, faut jouer avec le tank, génial, le jeu est génial.
Bam, 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 bam. Qui peut me stopper, mec? Ah merde. Rien, les gars, direct. On va prendre à chanter de la foine. Oh, il est rentré dans un trou noir, c'est Exodus. Fais gaffe, t'as le bon groupe. Le DPS. Non, là c'était plus ton deuxième tank qui déconne que le DPS. Mec, je lui mets full attaque. Hein. J'ai un token, j'ai cédé. Aïe. On prend des dégâts pour faire plus de dégâts. On tank. Ah, je peux tirer sur le... Et bim, voilà, putain. Quand tu tues un boss en deux phases DPS, c'est vraiment... Tu l'as out dips, quoi. Parce qu'en général, il en faut 3 et tout. Genre dans Zelda, Ocarina of Time, si tu tues l'araignée au début, en deux phases de dips sur l'œil, t'es trop fort, tu vois. T'as déjà fait les Zelda, toi, où t'es comme Sam et t'es un inculte? De qui, moi? Ouais. Moi, j'ai pas demandé à Chanel, je suis sûr qu'il les a pas fait. J'en ai... Mais je t'ai dit, Zelda, moi, je trouve ça pur. Voilà, il les a jamais fait. Un, mais après, voilà, c'est tout. Oh là là. Après, j'ai pas de... T'as fait lequel, d'ailleurs? C'était sur GameCube. Ah, Wind Waker. Un truc dans le genre. Il y avait de la flotte. Ouais. Et t'étais sur un bateau. Ouais, c'est ça. On est débarrassé du scolopendre et en plus il fait beau. Après, je t'avouerai que je comprenais pas tout. J'ai vite bloqué. Je vois ce que tu veux dire. Zelda, des fois. Des vents, on sait pas trop.